Et salut à tous, c'est TheStox. Donc aujourd'hui je vous fais un petit test donc qui se passera sur le Starbucks Strawberry Margarita deux accords. Donc il vous avait dit que je le testerais, donc c'est aujourd'hui. Donc on sera trois en fait à le faire, donc il y aura également XPO qui va le faire. Donc je vais lui envoyer dans les prochains jours. Alors ce tabac, donc je vais pas m'éterniser sur les parfums, voilà. Donc c'est citron vert fraise, donc parfum très puissant, bon goût de fraise et de citron vert, bien dosé. Un parfum quand même très puissant, il donne envie. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc la coupe, je vais vous la montrer vite fait. Donc la coupe est quand même très moyenne. Donc il y a quand même des gros brins. Bon, là, il y a assez plusieurs brins. Il y a quand même pas mal de branches. Donc c'est quand même assez dommage. Alors je vais maintenant vous faire le test de la fumée et du goût. Donc je suis avec le tuyau qui m'a été livré avec ma chicha. Parce que mes namors sont au lavage. Donc je vais voir si ça n'atténue pas la fumée. Voilà, donc je vais vous faire maintenant la fumée et le goût. Vous pouvez voir qu'au bout d'une demi-heure de session, avoir ça comme fumée, c'est décevant. Généralement, une fumée comme ça, je l'obtiens en environ 10 minutes. Donc là, c'est quand même très décevant. Alors, donc la fumée, bon, malgré que j'ai eu un peu de mal à l'obtenir, la fumée est quand même présente, on ne peut pas le nier. Niveau goût, je m'attendais à quelque chose de plus puissant. C'est vrai que le goût est quand même assez faible, on ressent quand même la fraise avec la petite touche de citron vert. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un goût beaucoup plus puissant que ça. Donc, pour ce qui est d'une note sur 10, je lui mettrais 6,5, pas plus. Simplement parce que j'ai comme ça corps un gratouillement en gorge. Quand je tire de longues lattes, j'ai quand même un gros gratouillement en gorge. Donc c'est quand même très désagréable pour moi qui suis assez sensible niveau gorge. Donc, pourtant, mes sessions, je les prépare correctement. Je mets pas trop de tabac pour que ce soit pas en contact avec l'alu. L'alu ne s'affaisse pas quand je tire, donc c'est quand même assez bizarre. Donc je pense que ça vient du fait que le pot est bientôt périmé. Il se périme en septembre, donc je pense que ça doit jouer aussi. Je pense que je m'en commanderai 50 grammes lors de ma commande pour le goûter et peut-être vous refaire un remake. Alors également, je voulais vous informer de 2-3 petites choses. Donc d'une part je vais changer mon système de notation, donc vous verrez ça lors de mon prochain test. Et donc aussi je voulais vous informer que la commande sur Ruka Chicha, je la ferai pas pour l'instant. Et donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Donc je vous le dirai dès que je la ferai. Si vous voulez je peux vous tester des narcs Lamiso, mais ça c'est vraiment que si vous voulez, parce que moi les narcs Lamiso, depuis que je suis sur du Starbuzz, j'en fume plus. Donc, si vous voulez, en attendant que j'en teste, faites-en ma part. Donc, voilà, je vais vous refaire quelques petites lattes, histoire que vous voyez un peu plus la fumée. Donc voilà, c'était le Strawberry Margarita. Allez, à plus les mecs!